ça joue full prix tech pour la team de Versatility, le Xelor qui a l'initiative. Est-ce qu'il n'y a pas une petite sacré R. Le sacré R. R. Et on a un up. R aussi. On a un Upper Mage O. Upper Mage O. Et qui a fait 3. Des super bonnes résistances bien adaptées. Parce que le Xelor, lui, il est quoi? Il est retrait, non? C'est quoi les Diffix O comme ça? Le Xelor Diffix O. What the fuck? Je sais pas ce que c'est le Xelor. Franchement. En tout cas, vu ses raids et vu sa vita, elle a pas l'air très tranquille. Hein. Moi, je suis pas sûr que ce soit un Xelor retrait. Ouais, mais pour un temps d'initiative. Je pense que c'est plutôt un Xelor qui va mettre des grosses claques. A voir son élément après. En tout cas, vu la clepsydre à 100 sur le complice, il est pas haut. Ouais, bah ouais. Après, ouais, qu'est-ce qui donnerait 10% de neutre? Le gros rush. Ouais, je sais pas, bon bref. Intéressant à noter, des prix tech, ils jouent armadure sur ce ball, donc un énorme rush à venir. Bah, c'est vrai qu'avec Looper O, t'as qu'une envie, c'est d'avoir plein de PM pour pouvoir foncer au corps à corps des adversaires. D'ailleurs, les raids O qui ont été un peu négligés quand même, on a 24% sur les... 24 et 27%, c'est pas plus. Crier à 24 et comme les Kaflip. D'accord, on va voir ce qu'il va nous faire le Sacrier. Le Zobal est quoi d'ailleurs? Zobal est terre. Bah, à mon avis, avec un bouclier comme ça, il a l'air d'être terre. Ouais, et puis il a 0 de tac, donc c'est clairement un terre à l'œil. Ouais. Ça, ouais. Donc un petit terre retrait, on n'a pas beaucoup d'esquive, 18 sur les K, seulement 34 sur le Xelor, donc les apathies, cas, ça joue mutilation. Ça donne 200 de puissance déjà. C'est parti. On va voir. Bon, pour l'instant, ça va. C'était assez clair ce qu'a fait le Sacrier. Pour l'instant, on comprend. On comprend pour l'instant. Super Mage qui a avoir 11 PM pardon, au début de son tour. Ça va être très violent là. Ça va être très violent. Surtout que le pauvre Kafi, il va faire quoi? Il va faire double réflexe, mais est-ce qu'il peut vraiment empêcher l'Upper Mage de venir dégommer quelqu'un? Bah. ça, c'est une question qui se pose. Hein. Là, on va voir un petit peu ce tour de Diffuse, donc à mon avis, ça va sans doute partir sur un Focus Zobal, mais avec une Shengal, il peut choper une zone héros avec Lenny. Est-ce qu'il ouais, va être fouet? Il le fait bien vu, excellent. Donc, c'est vraiment un pro player. Oh là là, comme ça. Ouf. Incroyable. Bronze League. il reste même un PA. Hop, ça fait le double réflexe et Sletax qui n'a déjà plus de points de bouclier. Alors, il a pas joué avec un free tech le Zobal, c'est bizarre. Mais t'as raison, le Xel va taper, sinon il jouerait cadran. On va voir ce que va faire ce super mage. En tout cas, ça part tactite, clairement sur un focus Xelor. Le PGLM va mettre la pesanteur, c'est très bien joué. Et on va éroder. Hop, et on va commencer des dégâts. Moi, ce qui m'étonne un petit peu, c'est qu'on ait juste mis un pretech sur l'Upper Mage et qu'on en ait pas mis sur le Zobal, qui est pourtant, on va dire, la classe la plus vulnérable sans pretech quand on met sur ton DPS. Ouais, c'est assez bizarre. Ok, il est feu. Il est carrément feu. Donc ça va taper l'aperture, la poussière, etc. Oh, regarde la vita. C'est des gros dégâts. Hein. Le Zobal. Ah, il reste 7 PA. Il oh là là. 7. Mais c'est incroyable ce qui se passe là en fait. Pourquoi il met autant cher? Et il joue pas avec un. Il est quoi? Attends, il est terre-feu. Il est multi. Il est multi. Mais c'est génial. D'accord, ok, très d'accord, bien. D'accord, ok, donc ce match, ok, donc il y a des modifs sans sacrir, mais c'est le Xelor qui fait n'importe quoi. Il y a Xobal qui va devoir plastron directement. Ouais, il n'y a pas du tout pour profiter de l'héros. Il peut pas mettre d'apathie et plastron derrière, donc il va juste mettre un sort à 3 PA. C'était Daguerri, les 10 fixes haut, non? Ça me re... non, c'était Ricky. Pardon, c'était Ricky. C'est 10% haut, ouais. Bon, bah bref, on les retrouvera. Ah, ça va trans, d'accord. Donc okay, ça fait plutôt. C'est Atabak plus trans, d'accord. C'est pourquoi pas en soi. Va pas tout donner là. Bah, ça crie Herm, ok, il est pas gêné. Faut qu'il mette un petit assaut. Il pourrait faire un assaut après, parce qu'il est pas taclé par le. Je pense qu'il va faire une projection. Donc il y a un assaut sur l'ennemi pour le tacler. Il a pas l'air taclé par le masque, hein. Non, c'est vrai. Sacrifice. Ah, non, c'est deux qu'on perd. Par contre, ce Zobal qui va mourir. Bah là, ouais. C'est pas la forme. Hein. Quoique, on tank encore. Avec quoi on tape avec Fury. D'accord, donc ça va, les dégâts sont. Ok, ça c'est pas mal. Enfin, l'érosion qu'il a pris, c'est incroyable. Ouf, le silence qui passe bien quand même. Ouais. Pas de... Quasiment aucune esquive PA qui a été mise pour Versatility. Ça va leur permettre de souffler un petit peu. Ok. Donc, Lenny Ripsa qui fait ses tours de soins. On n'a pas le choix de toute façon. Est-ce qu'on va placer son ébène quand même? Et mine de rien, ce Zobal qui a pris très cher à l'érosion. On est seulement tour 2, à la moitié. Lenny vient de finir son tour. Que le Zobal a déjà moins de 3000 HP max.
Mais l'Oxel a tapé beaucoup trop fort en fait. Ah, l'Oxel, ouais, il l'a défoncé. Et là, on va pouvoir. Enfin, 9 PA seulement sur les casques, qui va poser double réflexe sur le Zobal. Mais c'est ce qui va être fait. Je sais pas si on l'a souligné, mais c'est vrai que c'était plus probable d'avoir des dégâts terre dans l'équipe de Versatility. Donc le Zobal qui s'est pointé avec 10% neutre et 7% terre. C'est vrai qu'on prend cher des coups. Ça tape à la plume de Burado. Sans pression. Et on tacle cet Uppermage. Oh là là, on tacle bien. Et l'Uppermage haut est très très sensible au tacle. D'ailleurs, il peut pas traverser. Il peut manif avec celle-là pour se détacler et après aller sur le Xel. Ok, on a 13 PA. Avec le placement là, qu'est-ce qu'il va bien faire? Là, je suis pas tout à fait certain de ce qu'il va faire. Est-ce qu'ils vont pas. Ouais, ils vont partir sur le Sacrier. En plus, là, il y a une zone. S'il fait un glacier là, c'est. Il prend le Xelrak. Alors, oui, mais il prend aussi le masque avec. C'est peut-être le problème. Après, le Zobal, on va dire. Je pense que le Zobal, après là, il a quand même 1000 de bouclier, il a encore le plastron. Ouais, il a toujours 7% terre. Hein. Oui, bah oui, ça c'est sûr. Pas mal d'être un peu prudent. D'ailleurs, l'aiguille qui proc, donc ouais, sur le masque, ok, c'est logique. Hop, 4 PA encore. Faudra faire gaffe à la synchro pour changer. Ouais, voilà, justement, c'est ça. Il y a la synchro qui risque d'être dangereuse et qui monte au fur et à mesure. Et qui est plutôt bien placée, là, elle est proche du combat, elle est facile à faire péter. Et pourtant pas évidente à tuer. Donc ouais, moi je pense que ça va être très dur de l'éviter au prochain tour. Ouh, le sablier qui passe à moins 2, sur 26 après, c'est légit. Ouais, après, je sais pas s'il a beaucoup de rats avec Xeloro. Ouais, mais attends, il a au moins 40 quoi. Ça va pas plastron. Ils vont full taper sur ce sacré. Ça va passer? Non, ça va pas passer, il y a des ébènes un petit peu. Sacré qui va pas mourir. 3 ébènes bientôt. Ah ouais, il va en avoir 3. Il devrait pas mourir. Ah, il a pas son T1, pardon. Je vais manquer ça. Ok, ça crit pas. Bon, peut-être qu'ils avaient misé un peu sur des crits. C'est vrai que là, le Zobal ne peut absolument pas se mettre de bouclier. Hein. Ok, le moins 2 PA qui est pas mal. Il a pas l'air d'être très de PM sur ce Zobal. Ou alors, à mon avis, très très peu. Je vois pas les montures. Est-ce qu'il est en Volcorn? Ouais, le Sacrier qui est un peu dans le mal. Allez, alors, est-ce qu'il veut nous montrer des... Il a que 6 PA d'ailleurs. Ouais, Zobal qui est de PA, c'est fort. On va voir ce qu'il va nous faire. Ça va tenter le kill peut-être, mais enfin. Après, la punition, mine de rien, elle devrait bien passer. Hein. C'est vrai qu'elle devrait bien passer, mais s'il fait ça, il peut pas se protéger. Je pense qu'il a plus envie de se protéger, quitte à taper un peu moins. C'est vrai que le trade kill avantagerait beaucoup plus. Ouais, mais... c'est ce qu'il fait. Et le kill. Okay. Ah, le kill qui passe. Mais sauf que là, Lenny le tue 100%. Ouais, je pense. Hein. Et derrière, c'est l'Ekaflip qui joue. Qui va. Ouais, bah ouais, au final, c'est un match expéditif. Donc c'est le kill qui va être fait normalement en 9 PA restant, ça devrait le faire sans problème. Il passe quand même une bonne partie de son tour. Hein. Il y passe une bonne partie de son tour. Il aurait peut-être dû mettre un déroutant plutôt qu'un alternatif. Ça va remettre peut-être les PA. Ouais, les PM aussi tant qu'on y est, peut-être. Ok, on a 2 PA, on va plutôt faire autre chose. Une flamiche, qui tape plutôt bien. Maintenant, le tour de cet Ekaflip qui fait reprendre une zone héros avec une Shengal. Des petites erreurs de placement là, ouais. Qui vont bien profiter à Versatility, une zone érosion, ça va sans doute tacler derrière cette super mage. Ouais, qui pourra un peu moins se tacler facilement ce tour-ci. Ce serait peut-être intéressant de mettre un chaton pour Diffuse. Au moins le placer maintenant, même si Xelor est quasiment full life. Ok, on a choisi un peu l'otage sur les Nier Ipsa, donc on va plutôt Fuxini. Ça qui part sur un Fugus. Un peu moins de res air. C'est vrai qu'il n'y a aucune rester en face encore sur Looper et Lenny. Hein. À tout moment, ça part dessus. Il y a un petit rayon obscur là. Un délice. Parce que là, est-ce qu'il y a moyen de faire péter la synchro très facilement ou pas? Bah, très facilement, on va dire, avec juste une invocation. Bah. En soi, il joue complice, donc ça a pas l'air très compliqué. Ah, si, en termes de PA, est-ce qu'on peut faire un move qui coûterait pas trop cher? Bah là, à partir de là, ça commence à coûter cher si vous la placez. Et mine de rien, ce que c'est, ouais. Qui descend vite, hein. Il n'y a pas trop d'air de placement. Non, c'est plutôt bien placé parce qu'on va difficilement aller sur le Nier Ipsa. Et c'est vrai que le Xel qui a pris très cher, hein, comme tu dis. Impressionnant. Premier retour spontané. Ok, le paradoxe. C'est propre. Très très okay, propre. Très bien. Oh, c'est super coup, propre. Impeccable. Tacle, et on peut les défoncer Stani. Stani va mourir. Il est mort. Wow, je sais pas si vous vous rendez compte qu'on va devoir un tour à l'ancienne là en fait. Un magnifique tour de Xelor. Il est mort. Il est carrément mort. Oh, c'est magnifique. Et Versatility qui est en 2v1. Tranquille.
prend l'avantage sur un magnifique tour. Oh là là. Mais franchement, je l'avais pas du tout vu, j'avais oublié l'existence de Paradox. Bah ouais, maintenant tout le monde joue Fail, c'est vrai qu'on est, on est plus habitué à avoir le Paradox. C'était impeccable ce tour. Moi je disais ouais, un moyen de taper pas fort, de taper pas cher, il a fait une zone téléfrag, il a pété la synchro. C'était optimisé comme pas possible, mais magnifique. En plus il s'est détaclé en virant le permage avec. C'était impeccable. Magnifique, honnêtement très très beau tour de Natsudoku qui offre du coup la victoire alors que ça semblait quand même assez, assez compliqué. Ce combat de barbare, donc victoire de Versatility face à Zest. Zest qui veut retourner sur Temporis. Hein. Mais en tout cas, wow, franchement bravo, très très beau match.